le lycée Molière en un mot. D'excellence. Famille. 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 Évolution. Histoire. Oh. Enfance. C'est famille et accueillement. Okay, accueillant. Chaleureux. União. Que é lição olhar pra você? Ah, é pescar, né? Falar várias merdas em francês, tá ligado? Ser mulher famosa, c'est l'école où j'ai été. Et bah, j'ai que à dire merci à tous. Pour moi, s'amuser et profiter des bons moments avec les amis, les collègues, mais aussi les professeurs et le personnel du lycée, représente le lycée Molière. Em uma palavra, eu diria memórias. Memórias. Acolhimento. De tout ce que j'ai vu, c'est un lycée correct. Sim, você vai com pessoas muito diferentes de você, o que é uma coisa necessária na vida. Já vamos muito tempo lá, mas isso não é grave. J'ai vu ici des belles personnes et j'espère vous revoir peut-être bientôt. Donc bonne continuation à tous. É, todo mundo aqui junto desde a petite session. Pô, é uma história que passou na cabeça. A gente olha pra trás assim, agora que acabou. É, então, 15 anos, cara, eu acho que toda a dificuldade que a gente acabou encontrando fez da gente, tipo, as pessoas que a gente é hoje. Merci à tous les professeurs de nous avoir aidés à avoir le bac et bravo à tous les élèves d'avoir réussi dans ce contexte très difficile. Bah, bravo à nous. Le lycée Molière en un mot. Grande porte. Longo. 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 Tem uma palavra. Épuisant, né? Cansativo. Muito cansativo. Pertinente, patético. Infernal. Mal organisé. Mal organisé. Desorganização danada. Merdão. Chata. Chata pra caralho, mané. Depois de 15 anos. Vai, matéria preferida. Okay. Que é preferida? Filosofia e o Monsieur Perutin. Preferido. Ah, Matt, Monsieur Villa, mora no meu coração. É isso. Classe, não, c'est une classe sympa. Très très sympa, une classe mature. Vous avez beaucoup travaillé, je me suis beaucoup reposé, donc c'est vraiment une classe. La grande question, qui est votre chouchou? Bah, chouchou, bien sûr, chouchou. Donc j'ai un faux chouchou qui permet de détourner l'attention de tout le monde et pour ne pas avoir de chouchou. Quel but. Ah oui, un souvenir incroyable, le jour où chouchou a disparu du cours. Donc chouchou qui n'est pas forcément le plus sérieux de tous les élèves, mais peu importe, c'est chouchou. On avait changé de classe, on est allé faire un travail en informatique, au CDI. Et ça, avant de partir à la salle informatique, chouchou était aux toilettes, on part tous, on ne trouve personne dans la salle. Il dit, ah mais c'est fini. Bon, il rentre chez lui, mais quand même, il se dit, mais c'est bizarre. Il envoie un message, et pendant qu'on était au CDI, il y a Gustavo au téléphone qui me dit, je dis, Gustavo, tu te crois où? Il dit, mais c'est Chouchou qui me téléphone. Bon, Chouchou. Et là, j'ai Chouchou qui dit, mais monsieur, il y a cours? Ben oui, ah, mais je suis rentré à la maison.
Ah mais je reviens tout de suite. Il est revenu, c'est pas beau ça. Voilà, c'est ça, mais c'est le terminal. Voilà. Un grand conseil, gardez de l'humour dans la vie. Gardez de l'humour, c'est important. Pas que de l'humour, bien sûr. Tout le reste que les autres professeurs vous ont dit, plus l'humour, ça va être super. Merci Madame Soulo, merci Monsieur Villo, merci Monsieur Mazari. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Cette année, ici, c'était un excellent groupe. Le conseil que je peux vous donner, c'est libérez-vous de votre téléphone portable. Lisez, écoutez de la musique, de la bonne musique. Hein. Étudiez les mathématiques. Tout le temps, c'est toujours agréable. Maths et physique-chimie. Un grand merci à tous. Un spécial remerciement à notre professeur principal, Madame Soula, qui a su nous aiguiller tout au long de cette année pour assurer un futur plus serein. C'était vraiment une classe avec laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler, avec plein de personnalités différentes, avec des gens courageux, des gens qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts et des gens aussi très brillants, avec de très jolies personnalités. Donc j'étais vraiment très, très contente de travailler avec vous. Alors, des souvenirs préférés, il y en a plusieurs, mais je crois que ce qui me faisait le plus rire, c'est quand Gustave me disait dans les cours online « Madame, votre micro n'est pas branché » ou quand vous me disiez « Madame, vous ne partagez pas le document ». Je crois qu'aussi un bon souvenir que j'avais, c'est quand on faisait cours dans la salle de musique. Quand je vous laissais la pause, il y avait Antoine qui prenait la guitare, je me rappelle d'Abby aussi. Et voilà, ça c'était un bon souvenir de vous voir jouer de la musique. Bruno aussi. Premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de quand vous rencontrerez des difficultés, quand vous aurez des choses qui vont vous décourager, c'est de jamais vous laisser vous décourager. Donc, ce que je disais avant de m'émotionner, comme on dit en portugais, donc surtout, vous ne vous découragez pas et vous continuez de croire en votre projet. Ça, c'est super important. Et si tout va mal, pensez que ça ne dure pas. En physique, hein, on revient toujours à une position d'équilibre. Donc, si c'est le chaos, si c'est le bazar, vous inquiétez pas, on va revenir à la position d'équilibre. Donc, vous y croyez et vous continuez à être comme vous êtes parce que vous êtes très bien, finalement. Pour ceux qui vont habiter tout seuls, ou je sais pas, ou en CTU, vous laissez pas la vaisselle s'accumuler dans l'évier. Hein, vous lavez tout, voilà. Vous laissez pas non plus les chaussettes sales, vous rangez un peu votre chambre, d'accord? Merci, d'accord. Quais foram suas aulas preferidas? Eu gostei muito das aulas do Gomero. Ah non, mais SES, bien sûr, avec l'Europe Gambero. 100% la vérité. Et bien, c'était une excellente année avec une classe fort sympathique. Et voilà, donc du coup, fort sympathique, on voit là. Du coup, c'était c'était 3 ans. Malgré le contexte, je crois qu'on a quand même passé des bons moments et je pense que vous avez quand même pas mal appris de choses. Voilà. Sciences Po et matériel public. Alors vous me demandez quels sont mes meilleurs souvenirs de vous. Ça fait longtemps qu'on se connaît, depuis la quatrième pour la plupart d'entre vous. On a fait plein de choses ensemble, puisque pour certains on est allé au Japon, avec d'autres on est allé en Grèce. On aura un peu comme des vieux combattants le souvenir de ces 2 années de pandémie. Vous avez connu, comme vous le dites, la chutocratie en quatrième, elle se termine maintenant. Voilà, la révolution est faite, le pouvoir est entre vos mains, donc je vous souhaite bonne chance. J'espère surtout que je ne vous ai pas, malgré cette chutocratie, j'espère que je ne vous ai pas dégoûté de la discipline, c'est le plus important pour un prof. J'espère qu'au contraire, je vous ai donné le goût de découvrir ce monde, directement par les voyages ou indirectement en lisant, en regardant des documentaires, etc. Bonne chance à tous, donnez-nous des nouvelles, dites-nous ce que vous faites, ce que vous devenez, et revenez nous voir pour parler de votre expérience. Bonne chance à tous, à tout de suite dans la fête j'imagine, et à bientôt sinon. L'équipe de Soula, Villa, bien sûr, Mendelman, Pizarro. Entonces, un mensaje para esta termina. Ha sido pues una relación de todo un poco duro, ¿eh? Pero sin duda al final de todos estos años que hemos estado juntos, pues es bueno, ha sido bueno. He aprendido con vosotros, espero que hayáis aprendido un poco de español o por lo menos portuñol conmigo. Sé que lo vais a hacer bonito en la vida. Adelante, un beso fuerte, os quiero. A turma de vocês foi uma turma que me desafiou muito, né? É o 5º ano juntos. Eu acho que vocês evoluíram muito, muito mais até do que outras turmas, né? E hoje eu vejo vocês com outros olhos, né? E hoje em dia eu não consigo nem imaginar como é que vai ser
2022 sans le groupe de vous. Oh. Une prof qui restera à jamais ancrée dans mon cœur, c'était Madame Daribo, mais je l'ai partie du coup. Daribo. Et c'était Madame Daribo. Elle sait, de longe, est ma aula favorite, parce que a gente está sempre num grupo pequeno e a coach é genial. Vai fazer muita falta. De todas as matérias, de todas as professores muito queridas. Il y a eu tellement de profs incroyables, tous pour des raisons complètement différentes, donc je pourrais jamais, jamais choisir. Então, é difícil se despedir de uma turma que eu conheço desde pequenos, que para mim eram os meus bebezinhos de Cisiena, que faziam muita zorra na sala, falavam pra caramba, vinham com lancheiras pra escola. Nossa, é verdade. Pra comer o lanchinho e sempre deixa muita saudade. Desejo muito sucesso na vida de vocês. Essa é a turma. Vocês, para mim, foram a emoção pulsante da minha vida. Eu me sinto extremamente vitoriosa. Muito eu aprendi das suas histórias e espero ter deixado em vocês um pouquinho do meu amor. Primeiramente, galera, eu queria pedir desculpa para vocês por não ter comparecido à festa de formatura de vocês. Como já expliquei, eu tive um imprevisto que só eu poderia comparecer. Mas vamos lá. Eu acompanho vocês desde CZM. E durante esse período consegui fazer duas viagens com vocês. E alguns alunos chegaram, outros alunos foram embora. E durante esse período, a gente observa o amadurecimento de vocês. Hoje eu tenho certeza que vocês serão ótimos profissionais em qualquer área que vocês escolherem, seja medicina, seja advocacia, engenharia, qualquer coisa. Vocês são bons. Eu não tenho o que reclamar de vocês. Valeu, galerinha, por esses anos todos e até mais. Mandando um abraço aí para a galera da Terminale, que se formou esse ano aí. Parabéns para todos vocês. Foi muito agradável durante todos esses anos que a gente conviveu junto. Várias histórias, vários esporros também vocês tomaram, né? Mas foi uma turma muito agradável, só tenho a agradecer. Parabéns. Não deixa de vir visitar a gente aí, que a gente vai morrer de saudade de vocês. E eu não acredito que essa turma vá embora sem pelo menos uma vez a Carolina de Mello ter ido ao banheiro fazer o número 2, que não é possível. Durante todos esses anos na escola, ela nunca foi no banheiro fazer cocô, cara. Eu não acredito, eu não me conformo com isso. E, cara, não vou citar todo mundo, que é uma galera enorme, né? Mas bem maneiro. E, ó, Sarinha, pra você, Sarita, bom compleanno. Terminado 2021, então vocês, missão cumprida, né? Vamos sentir falta de vocês. Eu, particularmente, gostaria de ter feito a festa junina de vocês, que inclusive era do meu filho. Tô triste, mas fazer o quê, né? Sucesso pra todos. Valeu. Muita sorte pra vocês. Tchau, gente!